toi et bénis mes pères. Qui bénissez l'enfant prodigue. Je veux revoir le gynécée de droite. J'y jouais avec les colombes et avec mes frères, les fils du lion. Va de nouveau dormir dans le lit frais de mon enfance. Aborde de nouveau mon sommeil les six chères mains noires et de nouveau le blanc sourire de ma mère. Demain, je reprendrai le chemin de l'Europe, chemin de l'ambassade, dans le regret du pays noir. Madin Pango, maman c'est Walpokobal. Je suis né le 9 octobre 1906 à Joal, sur les bords de l'Atlantique, à 120 km au sud de Dakar. Mais après mon baptême, 2 mois après, ma mère m'a ramené à Dilor. Dilor, c'est à 23 km de Joal, à l'intérieur des terres, au bord d'un des bras du fleuve Saloum. Ce bras s'appelle le Sine. C'est le nom qui désigne le royaume dont mon père est originaire. C'est un maître de terre, un féodal. Les maîtres de terre possédaient 95% des terres. Mon père avait plusieurs kilomètres carrés, 1 millier de têtes de bétail, une vingtaine de chevaux, une cinquantaine d'ânes, etc., etc. Ma mère appartenait à une famille de paysans moyens. Le chef de la famille était mon oncle maternel qui avait quelques champs et quelques têtes de bétail. Chez nous, on est de la race de sa mère. On est noble par sa mère et non pas par son père. Et c'est pourquoi j'étais très souvent avec mon oncle maternel. Je l'accompagnais dans ses champs, je l'accompagnais traire ses vaches. Et j'accompagnais mes petits cousins et qui paissaient les troupeaux. Et alors j'ai vécu vraiment des heures merveilleuses avec ces bergers qui parcouraient la brousse, qui chassaient les oiseaux et qui couraient derrière les antilopes et qui racontaient des contes merveilleux. Comme j'étais presque tout le temps dehors, mon père s'est ému de mon goût roturier et à l'âge de 7 ans, il m'a enlevé à ma mère pour me confier au père Dubois qui était le curé de Joal. Et pendant 1 an, le père Dubois m'a enseigné le catéchisme et j'ai pu apprendre peut-être une centaine de mots français. Et ça a été pour moi aussi le premier apprentissage de l'école. En 1914, ça a coïncidé avec le début de la Première Guerre mondiale, j'ai été envoyé par mon père à l'école primaire de Ngazobile. Pendant 6 ans, j'ai appris en même temps le Wolof, car ma langue maternelle, ce n'était pas le Wolof, c'est le Serer. J'ai appris en même temps le Wolof et le français. Au bout d'un an, je pensais en français. Ça a été pour moi la première école de la vie. Au bout de 6 ans à peu près, j'ai été au niveau du certificat d'études. Le problème s'est posé pour mon père de savoir si on m'enverrait à Saint-Louis, au lycée, ou si on m'enverrait à Dakar, au collège séminaire Liberman. Moi-même, je voulais être prêtre, je voulais entrer au séminaire. Au bout de 2 ans, il m'a permis d'entrer au séminaire. Alors, je suis venu à Dakar, émerveillé, comme un petit paysan de la brousse. Et c'est à Dakar que j'ai reçu la formation la plus solide. La plupart d'entre nous, nous faisions du latin et du grec. Et le père directeur, le père Lalouze, qui était de la Sarthe,
insister sur l'esprit d'organisation et de méthode. Par exemple, dans nos dissertations, on pourchassait le mot pour le mot. Je me rappelle les voix païennes rythmant le canto mergo. Et les processions et les palmes, les arcs de triomphe. Je me rappelle la danse des filles nubiles, les chœurs de lutte, oh la danse finale des jeunes hommes, buste penché, et le pur cri d'amour des femmes, Corsica. Après mon baccalauréat, doté d'une demi-bourse, je suis arrivé à Paris au mois d'octobre. Il pleuvait, il faisait froid, le Panthéon gris, Notre-Dame gris, j'ai trouvé vraiment que c'était très laid. Mais ce qui m'a séduit, c'est la gentillesse et la politesse des Français. J'ai été dérouté à la Sorbonne. Mon correspondant était Blaise Diagne, député du Sénégal, qui avait les bras longs. Et c'est ainsi que j'ai pu être inscrit en retard au lycée Louis le Grand en Hippocagne. Là encore, j'ai trouvé un modèle d'organisation et de méthode. Et pendant les 3 années où j'ai été au lycée Louis le Grand, j'ai appris autant de mes camarades que de mes professeurs. C'est ainsi que je rencontrerai Pompidou. Et il m'apprendra beaucoup de choses. Ils avaient en commun un goût de la poésie. Et mon mari lui avait appris à lire les poèmes de Mallarmé, de Baudelaire, avec un certain ton, une sorte de ton monocorde, qu'il ne connaissait pas. C'est au lycée Louis le Grand que nous nous mettions à rêver. Naturellement, le premier objectif était de passer avec succès le concours de l'agrégation. Ensuite, de faire une thèse de doctorat d'État pour entrer au Collège de France. Vous voyez, nous n'étions pas modestes et nous avions des ambitions, mais ce n'était pas des ambitions politiques. Je me souviens de la période de 45, où c'était pour lui un déchirement, parce qu'il était venu au Sénégal revoir la famille et il comptait bien repartir en France, parce qu'elle avait son poste d'enseignant. Et on l'a pratiquement pris de surprise, on lui a dit, il faut faire de la politique. Et il disait, mais moi, je n'ai pas l'étoffe d'un politicien, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les lettres, c'est l'enseignement. Et il était vraiment malheureux de devoir prendre une décision qui engageait son avenir. C'est au cours de ses vacances que la Fédération socialiste du Sénégal m'a demandé de me présenter au poste de deuxième député du Sénégal. Alors j'ai hésité pendant un mois. Encore une fois, je n'étais pas dépourvu d'ambition, mais mon ambition, donc, c'était d'être en même temps poète et professeur, pour moi, d'être député. Mon Dieu, c'était pas particulièrement glorieux. Senghor, en 1946, quand il est arrivé, au début de sa carrière politique, il était venu à Joal Fadjid. Il nous disait que c'est vous délibérer de la domination coloniale. Vous allez être des citoyens comme tout autre. À cette déclaration, on avait grande surprise d'entendre cela, car au temps colonial, personne n'y pensait qu'on pouvait avoir obtenu de l'indépendance comme il l'a fait. Donc, en 1945, vous savez, j'ai été élu pour la première fois député du deuxième collège de la circonscription Sénégal-Mauritanie. Et nous avons fondé le Bloc démocratique sénégalais, qui a subi des abattards et qui a fini par être l'Union progressiste sénégalaise. Notre but, c'était l'indépendance.
dans l'amitié avec la France et même dans la Confédération. Le général de Gaulle nous a accordé l'indépendance sans guerre, sans larmes. Je crois qu'il y a peu d'hommes d'État qui, comme lui, ont risqué leur vie pour libérer, c'est le cas de le dire, des Arabes et des Nègres. Il y a peu d'États qui avaient cette manière de recevoir un interlocuteur. Et puis, il m'a accordé l'indépendance du Sénégal, en principe, en moins d'une heure de conversation avec lui, je ne parlerai même pas de discussion. Senghor était l'homme de la révolution tranquille, qui prend son temps, qui met en toute chose la patience, et qui sait que le temps est un grand maître, et qui se gardait bien de l'invective, de l'injure et du radicalisme. Senghor, poète, écrivain, a toujours pensé aussi la politique en termes d'art, d'art du mieux vivre, d'art de la recherche de la beauté, de la vérité, de la grandeur de l'homme, du mieux-être, du développement. Pour la première fois, un chef d'État prend entre ses mains périssables le destin d'un continent. Jamais il n'était arrivé, ni en Europe, ni en Asie, ni en Amérique, qu'un chef d'État dit « Ce qui est maintenant l'avenir de l'esprit, nous allons ensemble tenter de le faire. » En assumant la lourde responsabilité de l'organisation matérielle de ce premier Festival mondial des arts nègres, nous proposions deux objectifs. Premièrement, rendre les nègres par le monde beaucoup plus conscients de leur valeur de civilisation, de leur valeur culturelle de civilisation. C'était là le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était de les amener à engager un dialogue avec les autres continents, avec les autres civilisations, où nous croyons avoir atteint ces deux objectifs. Car par-delà les manifestations de culture nègre, je crois que le Sénégal a été pendant 3 semaines vraiment le pays de la fraternité humaine. Quand nous sommes arrivés au Sénégal pour le Festival mondial des arts nègres en 1966, il a rencontré mon mari et il lui a proposé d'aller à la radiodiffusion sénégalaise, pour faire des émissions culturelles. Et mon mari qui rêvait ce voyage de retour en Afrique, qui avait envie de vivre en Afrique quelques années afin de faire son œuvre d'écrivain, il a sauté sur l'occasion, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on est resté, qu'on y est depuis 1966 et qu'on y est encore. Ma tâche est d'éveiller mon peuple au futur flamboyant. Ma joie de créer des images pour le nourrir aux lumières rythmées de la parole. Maintenant que les greniers craquent et que les taureaux sont lustrés, maintenant que poissons abondent dans nos eaux aux franges des courants marins, il ferait si bon de dormir sous les alizés. J'avais l'intention de me retirer en 1978. Il s'est trouvé qu'en 1977, il y a eu une sécheresse. Je ne pouvais pas partir après cette saison et j'ai renvoyé mon départ en 1980. En 1980, j'ai averti Abdou Diouf en janvier. Il y a eu une année de sécheresse, mais c'était trop tard. Je l'avais averti de mon départ. Voilà qui explique
pourquoi je n'ai pas démissionné avant 1980. Mais encore une fois, ce n'est pas par modestie, il y a tout simplement que pour moi, la gloire politique, ce n'est pas le principal. Entre 18 et 19 heures, nous sommes là sur la pelouse et si vous voulez, je regarde la lumière et je suis heureux. Je m'imagine que la lumière du paradis doit être de cette qualité. Naturellement, comme toujours, je fais le rapport entre la transparence de la lumière au Sénégal après la pluie d'hivernage et la transparence de la lumière en Normandie en septembre. Je dirai ton nom, Sangor. Nomina, nomina. Chez vous, le nom se décline et se déclame. On le psalmodie et on le chante. Il doit sonner comme le sarong, rutiler comme le sabre au soleil. Le nom appelle les prénoms. Vous en aurez trois. Vous êtes Cédar, celui qui ne peut jamais avoir honte. On vous donne aussi au village un assain d'être avec le vôtre, le prénom de votre mère, Nilan. Votre père qui est catholique, il vous fait baptiser, votre nom chrétien est Léopold, qui veut dire Lio. J'ai toujours pris de longues vacances pour pouvoir m'isoler, pour pouvoir vivre vraiment en moi-même, au fond de moi-même, et écrire ce que j'avais besoin d'écrire et que j'accumulais tout au long de l'année. Et je vis mon poème des semaines, des mois, parfois des années. Et c'est pendant la solitude des vacances, pendant le sanctuaire des vacances, que je puis m'exprimer, que je puis vivre ma négriture et en même temps préparer des nourritures spirituelles pour les autres hommes et d'abord pour les autres nègres. Éléphant de Nissen, entends ma prière pieuse. Donne-moi la science fervente des grands docteurs de Tombouctou. Donne-moi la volonté de Sonny Ali, le fils de la bave du lion. C'est un raz de marée à la conquête du continent. Souffle sur moi la sagesse des Keïta. Donne-moi le courage du Guéloir et Saint-Mérin de force comme d'un Tchédo. Fais de moi ton maître de langue Mélon, nomme-moi son ambassadeur. Nous voulons d'abord nous enraciner dans les valeurs de la négritude. C'est nous qui avons lancé le mot et le mouvement de la négritude. Nous voulons nous insérer, n'est-ce pas, dans les valeurs culturelles négro-africaines et nous ouvrir en même temps aux apports complémentaires des autres civilisations. Je sais que c'est grâce à lui qu'on a accédé à l'indépendance. Senghor, c'est l'homme lumière. Aujourd'hui, nous vivons une démocratie et on lui doit en partie. Il a pu amener la cohésion, amener un esprit de solidarité, de démocratie dans le pays. Sans démocratie, il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de progrès. Si vous considérez également l'histoire, les premières civilisations indo-européennes, les premières civilisations noires, il y avait de la démocratie. N'est-ce pas? Nous, chez nous, par exemple, dans le conseil, dans les civilisations négro-africaines, dans le conseil royal, toutes les castes étaient représentées et même
et même les esclaves. Et dans ma civilisation, c'est rare, et c'est ce conseil royal qui choisissait dans la famille royale l'héritier. Je dirais que c'est ton vieux carrément positif. Quoi. Il nous a apporté, à nous Sénégalais, bon, un esprit d'ouverture que beaucoup d'autres nous envient. La compréhension de l'autre est une chose extrêmement importante et le président Senghor a travaillé dans ce sens-là. Dans les discours de Senghor, il parlait beaucoup de métissage, il parlait beaucoup de civilisation de l'universel. Et quelque part, en moi, c'est comme si j'ai été éduqué un peu comme ça. L'Afrique a beaucoup apporté, et les Noirs. Les trois premières grandes écritures, l'écriture égyptienne, 3000 ans avant Jésus-Christ, l'écriture sumérienne, dans l'Irak d'aujourd'hui, et l'écriture des Noirs dravidiens, ces trois premières grandes écritures étaient des écritures de Noirs qui véhiculaient des langues agglutinantes. Vous voyez, de ce point de vue, nous ne faisons, n'est-ce pas, aucun complexe. Mais, et c'est pourquoi nous apprécions à sa juste valeur, n'est-ce pas, les apports des blancs sémitiques comme les Arabes, des blancs indo-européens. Les Sénégalais sont bien cotés dans le domaine de l'art, de la culture. Bon, on peut lui tirer le chapeau. Je voyais dans les temps les expos qui étaient à Dakar, depuis les expos de Picasso, depuis tous les expos d'Olivier Debré et tout au Musée Dynamique. Donc j'ai un peu la nostalgie de tous ces grands événements que créait l'homme. Plus axé sur le problème de la culture, la négritude, que sur le problème réel quoi, des pays d'Afrique. Depuis l'indépendance, nous consacrons à peu près 33% de notre budget à l'éducation, à la formation, à la culture et 15% seulement aux forces armées, encore que nous ayons l'une des meilleures armées de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, en 20 ans, parce que nous avions donné la primauté et la priorité à la culture, notre revenu par tête d'habitant est passé de 163 dollars à peu près à 450 dollars. Consultez les rapports de la Banque mondiale, c'est-à-dire que notre revenu par tête d'habitant a été multiplié par 3, ainsi que le nombre des emplois salariés. Car, encore une fois, la culture, parce que la création est le meilleur moyen du développement. Après Paris, cette ville des Lumières, d'où tant de grandes idées ont germé et fleuri. Après Québec, cette terre symbole dans ce Canada des confluences, voici que Dakar s'honore d'accueillir la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français, communément dénommé sommet de la francophonie. Cela ne vous étonne pas ici au Sénégal, dans la patrie de Léopold Sédar Senghor. Arrivé au pouvoir du général de Gaulle, n'est-ce pas? Nous avons été trois chefs d'État, n'est-ce pas? Un arabe et deux négro-africains à préconiser la création d'un ensemble politique, culturel et économique, la francophonie. Mais je crois que la francophonie, c'est d'abord une affaire populaire. C'est en augmentant le pourcentage des enfants à l'école. C'est en organisant dans toute la francophonie le bilinguisme culturel que nous atteindrons nos objectifs de développement. Je pense que ce qui caractérise avant tout l'homme noir, c'est la perception des liens qui existent entre la nature et l'homme, entre l'homme et Dieu,
par la médiation des signes sensibles de l'univers. Nous pensons qu'au-delà des réalités physiques matérielles, il y a des réalités spirituelles. Get my leopard, 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 get my leopard